Voilà, rebonjour Nicomac sur Répondeur Directive. Il ne reste plus que le tube à récupérer et normalement on sera revenu au point où je vous ai laissé la dernière fois. Voilà. C'est bon. Normalement, il me dit que j'en ai plus besoin. Je ne vais plus avoir besoin de ce. Voilà, et maintenant, je sauve. Parce que ça craint. Alors. Oui, ce fichier existe déjà, oui. Ouvrons cette porte. Oui, on va descendre au niveau 2. Oui, cette fois-ci, on devrait pouvoir descendre au niveau 3 à ce. Enfin, à un détail près. C'est que. Oups. C'est que l'interrupteur. Enfin, le. Pour descendre au niveau 3, il va falloir faire quelques manips. Donc, la dernière fois, ça s'est soldé par un échec. Hein, on est mort. Voilà, j'ai dû passer une. 8 minutes environ pour. Tout refaire avec le Robco là, ça va que je savais à peu près où aller. Alors, laisser passer rouge, utiliser. Voilà, je vais rentrer là-dedans et je ne vais surtout pas appuyer sur le bouton qui, a priori, est piégé. C'est vrai que ça en avait tout l'air. Ils veulent pas qu'on aille au niveau 3. Alors, la 11. Hop. Sauvegarder, oui. Oui. Alors. On a un tournevis. C'est une charge d'explosifs C4, directement reliée au système de contrôle de l'ascenseur. Impossible de la déconnecter. Si je la détache, j'aurai à peine 30 secondes pour disparaître avant l'explosion. On a une fiole d'acide, un tuyau, un document top secret. Attendez. Je pense que c'est ça qu'il faut balancer par le. Attendez, je vais aller l'ouvrir. Comme ça gagnera peut-être un peu de temps. Je pense que c'est ça qu'il faut balancer là-dedans. Ça me paraît tout à fait logique. Je pense qu'il faut que j'utilise la pince coupante. J'espère que ce sera tout. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais sauvegarder. Pas avoir à le refaire 15 fois. Sauver. Alors, pince coupante. Est-ce que je vais faire une connerie? Bon, j'ai bien fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ah, c'est pas des secondes. Attention. Si ça a déjà explosé, bon, on l'a même pas attendu. On l'a pas entendu, je veux dire. Bon, bah tout va bien. Referme-moi ça. Je ferais mieux de ne pas toucher à ça. Bah, je pense que maintenant il n'y a plus de problème. Ça risque plus d'exploser en tout cas. Sauver. Oui. Oui. Allez. Niveau 3. C'est sûrement la cellule du vaisseau qui s'est écrasée. On dirait que les pièces ont été enlevées pour être stockées autre part. Non, ça se prend pas. On va fouiller un peu. Je vous rappelle qu'on est venu chercher une cellule d'énergie.
C'est pour ça qu'on est là. Ça, ça, ça non. Je parie que le café qui reste au fond de cette tasse n'est pas aussi fort que celui de Louis. Bah, moi, j'en boirai pas. Hein. Depuis le temps. Acétylène. Oh! Ah, je savais bien qu'il y avait un truc à faire. Et ça s'associe avec ça. D'accord, ça y est, on a un chalumeau, en vrai. Moi qui manque l'oxygène, voilà. Là, on a un chalumeau complet, parfait. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Alors, on continue de fouiller. Un socle ou quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression qu'il reste grand chose à voir, mais c'est vite fait de passer sur un détail. Je pense qu'on a tout vu. Non, on n'a pas tout vu. Ça, on n'a pas vu. Un percuteur? À quoi ça sert? Oh! Un chalumeau complet avec un percuteur? Quoi ça va servir? Ah, chalumeau complet allumé! Oh oh! On allume les chalumeaux, mais pourquoi faire? J'en ai strictement pas la moindre idée. Mais on va sûrement en avoir besoin sous peu. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans qui s'ouvre? Je pense pas. Enfin, on sait jamais. On ne peut pas dire qu'il manque d'or. Ah, c'est son ordinateur, je sais même pas. Quelques fragments du vaisseau spatial. Certainement des pièces qui ont été endommagées quand le vaisseau s'est écrasé. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'intéressant ici, même si la pièce est grande. Je pense que... Oh, attendez. Ça, ça va être la... C'est ici qu'est stocké l'objet... D'accord, attendez. Il y a combien de portes, là? Il y en a une là-bas au fond. Celle-là. Et l'ascenseur. Zut, on dirait que le mec... On est prêt. On a déjà tout fait ce qu'il fallait. Un petit coup de chalumeau. On va être tranquille. D'accord, mais on va pas aller là tout de suite. J'ai vu une porte là. Faut pas y aller. La zone de stockage des. Ok. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse y aller. Je vais juste vérifier que l'autre porte là-bas non plus. Celle-là on peut, celle-là on peut pas, d'accord. On a déjà vu celle qu'on pouvait aller, donc a priori la seule. Pourquoi je suis monté là? La seule pièce qui nous intéresse maintenant, c'est celle-ci. Oh non, le système de fermeture de la porte est coincé. Encore un coup de chalumeau, non? Non, non. Ouais, il n'y en a plus. Je crois qu'on l'a, on l'a consommé. On, off, on. Oh, encore un puzzle. Il faut que je fasse. Bon, attendez. Je vais d'abord sauver. Voilà. Oui. Oui. Alors, attendez. Je crois que on a un morceau
examiner. Ce dessin me fait penser à la diapositive trouvée dans la boîte. Code de sortie 7AC, voilà. Entrée, objet. Il faut que je fasse ça manuellement. Je dois cliquer sur les objets numérotés et les déplacer sur l'écran pour que l'objet 186 accède au tunnel de transfert. Bon, on y va. Alors, 104... 100... Ok. 7... Non, oh, c'est pareil, je peux pas utiliser mon pavé numérique. Ah, c'est, je crois. Oh, approuvé, ok. Alors maintenant, je devrais pouvoir le déplacer, il est là. Ok, je peux les déplacer comme ça. Tac, tac, ça devrait pouvoir me permettre de déplacer ça comme ça. Ensuite ça, ça, ça. Et là, et je peux rien faire. Là, c'est pas ça exactement. C'est pas si simple. Hein. Hop, 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 hop. Hop, 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 tac. Ah, pas vraiment, non. C'est pas trop ça. Si je fais ça, 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 je déplace ça comme ça, là, voilà, ça, ça peut avancer, ça, hop, bam, bam, non, c'est pas encore ça, même si je peux, ah bah si, je peux faire monter, ah bah tout ça, parfait, hop, facile, par d'un coup. Je crois que ça a marché. Je n'ai plus qu'à trouver où est passée la cellule d'énergie. On. Le verrou. Ok, un verrou HS. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Utiliser. Voilà, tout simplement. Et on a notre... C'est l'objet de la diapositive, sans aucun doute. Il faut maintenant que je sache pourquoi Malloy en avait besoin. Bon. Donc, a priori, on peut s'en aller. C'est parfait. Je vais sauvegarder. Là. Oui. Oui. Hey, qu'est-ce que je fais? Il est un peu tard. Je crois que je vais devoir vous laisser, en fait. Je crois que je vais en laisser. Ce sera un épisode assez court, mais c'est comme ça. Au moins, on a retrouvé l'objet. On a fait tout ce qu'on voulait faire à Roswell, je crois. Je pense. Photo d'extraterrestre. À tout utiliser, oui. Oui. Donc, go. Voyager. On va monter au niveau 1. Ce sera plus simple. Je reviens vers mon speeder et je programme le retour chez moi. C'est étrange de revenir avec la cellule d'énergie, comme si je transportais une urne contenant les cendres de quelqu'un. Est-ce qu'elle vient d'une galaxie lointaine? Quelle est sa fonction? Que diraient les gens d'une autre planète en voyant une grenade? Et voilà. Jour 8. Day 8. A message from the dead. Un message venu des morts, de l'au-delà. Ça craint. Non. Alors, 8e jour. 4 heures plus tard, j'ouvre la porte du bureau. Je titube jusqu'à la chambre et je m'écroule sur le lit. Après un bon somme, je décolle mon visage fripé du matelas
et j'extirpe mon corps fatigué du lit. Qu'on le veuille ou non, il y a encore beaucoup de boulot. Ma priorité doit être le décodage du disque de Malloy. J'ai comme l'impression qu'il doit contenir un certain nombre de réponses. Je t'appelle des Bermudes. C'est moi, Archie. Je voulais t'appeler pour te remercier du tuyau que tu m'as filé. C'était vrai, quelqu'un a cassé la boutique et il a tout cassé. Mais qu'importe, je suis aux Bermudes. J'ai loué un bateau ce matin. Je vais dans le triangle des Bermudes. Je dois y aller. Merci encore, Murph. C'était sûrement Clinton. Elle, c'était E.T. Ah, content qu'Archie soit au vert. Si seulement on avait tous la même chance. Alors, je vous propose de regarder le message qu'on a sur ce vidéophone au prochain épisode. Parce que là, il commence à faire tard et j'ai plus vraiment le temps de continuer. Et ça risque d'enchaîner sur des vidéos et des vidéos que j'aurais pas le temps de. Que je pourrais pas couper. Et donc. On dirait que j'ai un message sur le vidéophone. Non, sans blague. Bon. Voilà, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine.